Ohio Minasan, c'est Gunsho et aujourd'hui on se retrouve sur du Fallout 4. Et ouais, j'ai vraiment envie de continuer cette aventure, donc je joue un peu non-stop entre guillemets en ce moment. Donc voilà, donc c'est normal que vous voyez toujours ce t-shirt là. voilà, c'est tout. Voilà, on continue, allez. Ah, ok, c'est dégueulant, ok, d'accord. Je me disais... ouais. Je me dirais vers où là, dans le dernier épisode, hein. Un truc de main. Allez, j'allais tout droit, j'allais vers là-bas. Ok, bon ben c'est parti, allons-y. Allons-y à l'aventure là, sur cette île bizarroïde. Ok. Ok, bonjour. C'est Gunsho. Je crois qu'il doit en atelier ici, quoi, par là, je crois. Je vais désosser tout ça. Ok, clé de la remorque. Une clé de remorque. Je peux dire, mais à quoi ça sert cette clé de remorque de merde là? On voit un truc là-bas, je sais pas. Y'a peut-être un truc à ouvrir. Ah, mais voilà! Ouvrez. Quelque chose. On bah, qu'est-ce que tu veux? La lie de l'humanité dans mon boulot. C'est dur de pas lâcher prise des fois. Hey, je vous écoute. Oh, Valentine. Dites, je voudrais vous demander quelque chose. Quelque chose ne va pas? En fait, c'est la question que je voulais vous poser. Je veux dire, après tout ce qui s'est chamboulé dans votre vie, votre famille, tout ça, ça fait beaucoup pour une seule personne. Je voulais m'assurer que vous teniez le coup. Ok. C'est pas important. La situation est ce qu'elle est, et je dois faire avec. C'est bien de réagir comme ça. Pas comme moi. Ça m'a pris pas mal de temps pour que je me sente à l'aise ici. Heureusement que je suis tombé sur Diamond City. C'est pas le paradis, c'est sûr. Mais c'est de loin le trou le moins pourri du Commonwealth. Évidemment, quand je me suis retrouvé là-bas, l'Institut terrifiait les gens comme maintenant. Et peut-être même davantage. Le massacre du GPC était encore vif dans l'esprit des gens à l'époque. Et l'image du masque brisé les empêchait de dormir. La plupart croyaient que j'étais une sorte de saboteur qui voulait faire fondre le réacteur ou empoisonner l'eau potable. Enfin, à l'époque, ils ne pouvaient pas vraiment me dire de m'en aller. Quel masque brisé? C'était longtemps avant mon arrivée en ville. Mais apparemment, un type propre sur lui, genre gentleman, s'est pointé à Diamond City. Et il est allé chez Power Noodles. La bouffe devait pas être à son goût, parce qu'il a sorti son flingue et il s'est mis à tirer sur tout le monde. Une fois que les types de la sécurité l'ont eu truffé de plomb, ils ont dit que c'était une sorte de machine. Un peu comme moi, en fait.
Il a dû faire un court-circuit. Cela dit, les gens ont réalisé pour la première fois que les synthétiques ne ressemblaient plus à des types comme moi, mais à n'importe qui. Vu ce que ces gens ont vécu, j'ai vraiment eu du bol qu'ils me laissent passer la porte. Le massacre du... quoi ? Du gouvernement provisoire du Commonwealth. Il y a des années, quelques communautés ont essayé de former une sorte de coalition. Tous les bleds qui avaient un minimum d'influence ont envoyé des représentants pour essayer de trouver un accord. Sauf que l'Institut a envoyé un représentant lui aussi, un synthétique. Il a buté tout le monde pendant la réunion. En gros, le gouvernement provisoire du Commonwealth a été tué dans l'œuf. Je suis arrivé en ville peu après. J'ai eu du bol qu'ils me demandent pas d'aller me faire pendre ailleurs. Pourquoi ils vous ont accepté ? Parce que j'ai sauvé la fille du maire. Une gamine d'une quinzaine d'années, qui faisait la fierté de son père à l'époque. Un type du nom de Henry Roberts. Et un jour, la petite demoiselle a décidé de se faire la malle, avec un type qu'elle venait de rencontrer. Sauf que ce mec faisait partie d'un gang de kidnappeurs. Je savais même pas qui je sauvais. Je suis juste tombé sur une fille en pleurs et quatre gros bras. Quand je l'ai ramenée chez elle, le maire a dit que j'étais un héros. Et m'a accueilli dans sa ville. Des tas de gens ont protesté, disant que j'étais un espion. Mais il les a pas écoutés. J'ai eu un peu de mal à me faire à la ville. Mais j'ai jamais essayé de cacher qui j'étais. Et ça a eu l'air de plaire aux gens. Vous avez tué quatre types tout seul ? J'ai rien eu besoin de faire. À l'époque, les gens en savaient encore moins sur les synthétiques qu'aujourd'hui. J'aurais fait croire que j'étais piégé. J'ai commencé à faire... bip. Sérieux ? Le plus dur, ça a été de pas rigoler en les voyant se grimper les uns sur les autres pour se carapater. Sérieux ? Mais vous n'êtes pas un espion, hein ? Test micro. Allô, l'Institut ? Vous me recevez ? Alors là, aucune idée. Si c'est le cas, les plans de l'Institut pour récolter des infos sur tous les fugitifs du Commonwealth fonctionnent à merveille. Vous n'avez pas eu trop de mal à vous intégrer ? Ils m'ont pas facilité la tâche. J'ai commencé par faire tous les petits boulots dont personne voulait. Je me suis plus fait cabosser en jouant l'homme à tout faire de la ville qu'en essayant de survivre dans les ruines. Et les autres habitants ont jamais oublié que j'avais sauvé la fille du maire. Ils sont mis à venir me voir quand des gens disparaissaient. La nana s'est tirée avec son nouveau mec en embarquant l'argent du loyer. Va voir le synthétique. Un père contrarié a une idée de génie et décide de filer en douce à Good Neighbor, au beau milieu de la nuit, en emmenant ses gamins. Encore un boulot pour Nick. Au bout d'un moment, les boulots se sont enchaînés, à tel point qu'on me demandait plus de faire la boniche. J'étais tellement content d'aider ces gens, que j'ai fait tout ça à l'œil pendant les premiers mois. J'ai jamais cessé d'être Nick le synthétique. Mais c'est Nick le détective que les gens venaient voir. C'est à ce moment que ma vie a enfin commencé à me paraître normale. Il m'a fallu un bout de temps pour me rendre compte que je me sentais chez moi. Avec un peu de temps et d'efforts, vous y arriveriez aussi. C'est une longue histoire. Mais j'espère qu'elle vous aidera. Bon, on bouge ? Ouais, on bouge. Ok, bon. Pas un truc pour le poids, là ? Ah ouais.
Bonjour. Hôtel de Farbor, ok. Je suis dans un hôtel. Ouh. Ça pue un peu là. Bon, il faudrait quand même viser quand même, hein. Voilà, comme ça. Hop. Le mec, il se casse la tête à jeter une grenade là-bas. Ah, touché! Ça, c'était vraiment couillon. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Et voilà! What? Tu cherches des crosses à quelqu'un qu'il faut pas, toi.
Oula, mais c'est une passe forte des super mutants ou quoi? C'est pas moi! Il m'a bien fait chier lui. Ah mais... What? Ah le bâtard. Merde, j'ai plus de pierre. Ah oui, c'est vrai, vu que j'ai... Putain... Fais un truc pour que... qui redonne les... Ça. On va le faire à la mode. Quoi, t'as de viande? Appelle ça un peu plus vers moi. Qui se cache là, c'est toi là en forêt, t'es où? Mmh.
Comment je fais pour monter là-haut? Ok, on va rentrer dans ce bâtiment, hein. Ok, bon, ça annonce la couleur, il y a un connard de super mutant là. Ok, ok, d'accord. Je me auto-inflige des dégâts. Ça, c'est magnifique. Tu vas cramer. Oh, la grenade. Ça sert à que dalle, ça. Je sais même pas qu'est-ce que je dois chercher en fait. Je sais pas du tout qu'est-ce que je dois rechercher, bordel. Je suis parti en mode no-brain dans le truc, dans le bâtiment. Et ça me dit... C'est quoi sur la map? Localiser la clé de lancement, ok, nucléaire, ok. Ok, bon, on y retourne. C'est sombre.
pardon monsieur. Je regarde juste là-dedans. Je prends le savon et je ferme la porte et au revoir. Salut. Salut Nain. Ne va pas là-bas aux toilettes, Yann. Voilà. Ok, je suis pas encore venu par ici, hein, je vous le garantis à 100%. Je savais pas qu'il était là le bouton en fait. Ouais. 4 missiles. C'est bon. Franny, c'est moi. Je suis au grand hôtel dans notre ancienne suite. 48-51-30. C'est la combinaison de l'abri sécurisé qu'ils ont construit en cas de... en cas de bombardement. Franny, viens vite. Je sais pas combien de temps il nous reste avant qu'ils débarquent. J'ai préparé le bateau pour qu'on puisse s'enfuir rapidement en cas de besoin. Mais je refuse de participer à ça. Une guerre nucléaire? Je peux pas. Et je laisserai personne utiliser mon sous-marin pour détruire la planète entière. Je t'en prie, Franny. J'ai besoin de toi. Si c'est vraiment la fin du monde, je veux être avec toi. Ouais, bah, elle est là. Ok. Ok, bon, on sait à peu près qu'est-ce qui s'est passé, voilà quoi. Il s'est fait rouler, elle est arrivée, et lui, ben voilà quoi. Putain. C'est un peu what the fuck, je trouve là. Ah ouais. Ça, c'est pas faux. C'est vraiment dégueulasse.
Bon, j'ai trop de bouffe sur moi. Où est-ce que ça? C'est pour l'île, ok. Ok. Bon, ben on va quitter là. Ça c'est là. Et moi je suis là. Ok. Donc il faudrait que j'aille par là. Y'a quelqu'un? Quoi? Là c'est un super mutant dans le coin là, sérieux? T'es où bourricon là? Que je te tue? Ouais c'était sûrement rien ouais. Je peux con, je pourrais monter donc je m'en fous un peu, je descends par là. C'est bestiole bizarre dans ce jeu quand même hein. Heureusement qu'il y en a plus dans l'eau. Ok. Bon, mais je pense qu'on va se laisser là hein. Donc je vous dis à plus tard pour un autre épisode sur Fallout 4. C'était Gunshow. Bye bye.